Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va très bien, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment utiliser le logiciel de montage gratuit Movie Maker. Donc déjà Movie Maker, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel gratuit, comme je viens de dire, de montage. Très simple d'utilisation, mais en même temps très simple dans la forme, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir faire de très gros montages avec beaucoup d'effets. Mais pour un montage, pour faire une vidéo tout simple, c'est très suffisant, largement. C'est un logiciel qui est de base installé sur votre Windows si vous possédez un ordi avec Windows depuis plusieurs générations déjà. Même si les anciennes générations n'ont pas du tout le même modèle. Si vous avez Windows 7, techniquement vous avez ce modèle-là. Par contre, pour Vista, je ne sais pas. J'ai pas jamais de PC avec Vista, donc je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Donc, Movie Maker. Première chose à faire quand on arrive dessus, la première fois, c'est d'aller dans Projet et de mettre en grand écran 16.9. Pourquoi? Parce que en grand écran, donc c'est la taille normale, vous n'allez pas voir comme en 4.3 les deux bandes sur le côté ou en tout bien dégueulasse qui ne servent à rien. Donc ça, c'est une première chose. Donc dans ce tuto, je vais vous montrer un peu comment utiliser, comment faire quelques effets sympas, comment marche telle et telle chose. Et surtout, comment enregistrer votre film de façon à avoir la meilleure qualité possible par rapport à ce que vous voulez faire. Donc, comme certains ont pu remarquer, il est basé un peu sur le même modèle que Windows 8 et que aussi le modèle de Microsoft Word, enfin les derniers. Je crois que c'est le 2010, je suis pas sûr, qui est aussi basé dans le même principe. Donc, bah, au début, pour ajouter les vidéos, c'est tout simple. Soit vous cliquez ici pour le tout premier, soit vous allez ici. Bon, moi j'ai directement faire passer de l'un à l'autre. Donc ici j'ai une image humoristique sur des personnages de League of Legends. J'ai un gameplay de Call of Duty et Dragonborn qui est une musique de Skyrim. Voilà. Donc, ce sera largement suffisant pour vous montrer ce que je vais vous montrer. Donc on commence, on met la vidéo. Ensuite, on met l'image. Hop. Donc voilà, alors déjà on peut voir que y a la possibilité de zoomer pour avoir plus ou moins d'images. Donc là le zoom on n'en a que deux, le zoom max on a chaque seconde, enfin chaque image dure quelques secondes à peine. Donc voilà, c'est à peu près une image seconde si je ne me trompe pas, mais je ne suis pas sûr. Donc je vais remettre en milieu, il y en a un peu moins je crois, voilà. Donc après, pour ajouter de la musique, c'est tout simple. Soit vous faites ajouter la musique, soit comme moi, on va rajouter directement la musique où on veut. Donc, je vais mettre là. Voilà. On peut voir d'ailleurs qu'il est en train de charger le fichier pour pouvoir le lire correctement. Ça ne faut pas bugger directement dès le début. C'est intéressant dans le sens où les logiciels de montage, généralement, ils le font pas. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec une vidéo qui va laguer, 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 laguer et laguer. Donc voilà, enfin laguer quand vous la regardez, pas quand vous allez l'enregistrer, je parle. Donc là on est sur la, on va dire, la page d'accueil. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire tout simplement le fameux copier, couper, coller, ajouter les photos de la musique, ajouter une vidéo par webcam que vous pouvez directement enregistrer avec ça. On peut enregistrer une narration, même si je vous conseille bien évidemment d'utiliser Audacity à chaque fois. C'est plus simple et au moins vous avez moins de problèmes avec l'audio. Et vous allez pouvoir revoir votre film. On peut aussi faire des effets, c'est-à-dire faire par exemple cet effet au début, avec voilà, mon film, ceci, cela. Bon, après, le texte, vous le réglez, donc on n'a que cela, donc en noir et blanc, en noir, enfin voilà, en gris coloré, quoi, et différents types. Ensuite, la possibilité de faire tourner l'image à gauche à droite, donc c'est surtout pour les images classiques, comme ça, voilà. On a la possibilité de le partager sur OneDrive, Facebook, YouTube, Vine et Freak, ainsi que MSN qui, bien sûr, actuellement n'existe plus. Voilà. Parce qu'à la base, on pouvait se connecter directement sur MSN quand il y avait, vu que c'était Microsoft, et ça permettait de faire quelques choses, quelques trucs sympas avec le messagerie. Donc voilà. Déjà, on peut voir que la musique se passe, ça se met en dessous de la vidéo.
On peut la déplacer bien évidemment comme on le souhaite. Si on la met à la fin, ben, il n'y aura qu'une partie, bien entendu. Contrairement d'ailleurs aux gros logiciels de montage, comme par exemple Camtasia Studio, Sony Vegas, où là la vidéo continuera tant qu'il y aura de la vidéo, de la musique. On peut, pour ceux qui ne savent pas, déplacer le curseur ici pour choisir directement de base ou prendre par rapport à un moment comme ça directement sur la vidéo. Bien sûr, pour l'audio, c'est différent, donc il faut remettre le curseur à chaque fois. Au niveau du texte, on peut mettre donc trois types de texte. Le titre qui se passe au début, le générique qui se met à la fin, et tout simplement, après, si on met par exemple ici, je vais pouvoir mettre une légende. Donc voilà. On peut voir d'ailleurs en haut ici que suivant ce qu'on a, option vidéo. Donc pour là, et pour les images. Option audio et option texte. Donc dans l'option audio, on peut choisir le volume de la musique, de faire une apparition en fondu au début et à la fin, donc plus ou moins rapide. Alors apparition en fondu et disparition en fondu, ça permet quoi? Ça permet tout simplement de faire que la musique commence assez doucement ou qu'elle finisse très doucement, dans le sens où, bon là, la vidéo, on peut le voir qu'elle le fait naturellement, mais on peut faire un effet du même style. On peut aussi fractionner, donc je vais vous montrer. Là, je fractionne et voilà, je peux déplacer ensuite. Donc, après, vous pouvez tout simplement faire CTRL Z pour mettre de base. Voilà, ça l'a pas fait. Voilà, ensuite, on peut définir un point de début, un point de fin par rapport à l'audio. Donc, par exemple, là, je décide que l'audio commencera ici. Je peux donner le moment où ça commence. Donc voilà, c'est tout simple. Au niveau du texte, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on peut changer, donc bien sûr, la police. Voilà, donc à la base, on a entre un texte ici, le générique, entre votre nom et mon film, comme vous me l'êtes. Donc, je vais faire surtout pour lui, parce que c'est plus simple. Alors, en gros, on peut changer la police, suivant ce que vous avez mis. Donc, moi, bon, je vais mettre ça. On peut déplacer le texte, même si c'est pas très pratique, dans le sens où vous ne pouvez pas agrandir jusque-là. Comme ça, à chaque fois, ça redescend. Ça se met à la place. Donc, on peut mettre en gras, en italique. On peut changer la couleur. Donc, par exemple, si je veux mettre en bleu, enfin en vert bleu, là. Et alors, je vais mettre là pour mieux le voir. Ensuite. On peut mettre à gauche, à droite, au milieu. On peut mettre de la transparence, qui est plus ou moins pratique pour faire des effets sympas. On peut donc modifier le texte, bien sûr. Mettre une couleur d'arrière-plan, par exemple, si je sais pas, je veux ça. C'est un peu dégueu quand même. Donc voilà, j'ai ça. On peut donner l'heure de début, bon, pareil, et la durée du texte. Donc soit manuellement, enfin, soit comme ça, soit manuellement. Ou là, par exemple, je mets 470, voilà, j'ai 470. Alors, je crois que d'ailleurs, voilà, si je déplace, ça bouge encore. Donc, voilà. Alors, on va mettre à 7, parce que c'est un peu grand quand même. Ensuite, on peut décider de mettre un contour, donc avec taille du contour, qui se trouve ici. On peut mettre un contour épuré et tout, pour avoir un effet. Et du coup, changer la couleur du contour. Donc, par exemple, je sais pas. Donc là, on peut voir qu'on a des couleurs de thème. Des couleurs standard et autre couleur, ça permet donc de choisir directement sa couleur ou de choisir durant les nuances. Donc par exemple, je sais pas, moi je vais mettre on va aller ça, hop, là en règle, par exemple, je vais mettre ça va être bien dégueu. Voilà, ensuite on va pouvoir donner des effets au texte. Donc on a les effets suivants, aucun, faire une emphase. Donc là, les emphases, on a ça. Ça fait différents effets, des rentrées, des faire défiler, ce qui est souvent utilisé pour le générique. Donc là, ça fait défiler tant qu'il y a du texte et pas pour la longueur. Le balancement, si vous avez peu de texte et que ça permet par exemple d'avoir tout affiché d'un coup. Le zoom, sont utilisés, zoom rapide. L'effet cinématique, donc voilà, on a ça. On a avec les traits généralement, donc voilà, comme ça. Les contemporains, où vous avez bien le gros trait bien dégueu. Etc. etc. Donc voilà, vous avez plusieurs effets que vous pouvez donner au texte qui est assez sympa. Donc, ça,
On supprime. Ensuite, donc on peut donner aussi une narration. Bon, voilà, je vais le faire. Je vous montre, c'est tout ça. Vous réglez votre micro. Paramètres. Là, on peut choisir directement par rapport à ces paramètres de son. En général, ben voilà, c'est tout simple. Ils vous disent qu'est-ce que c'est. La légende, donc voilà, c'est très simple. Vous avez que dalle dans les options, à part audio et vidéo. Donc là, on peut décider d'enregistrer. Donc voilà, là, j'enregistre. Je fais arrêter. Je fais sauvegarder. Et après, j'aurai donc ma narration. Ensuite, on va passer au reste. Ouais, dans projet, tiens. Dans projet, on peut faire un mixage audio. Donc, choisir s'il vaut mieux que ce soit la vidéo ou la musique soit le plus fort. Ou les stéréos de base. Je vais mettre là, ça va être plus simple. On peut aussi mettre un accentu, enfin, accentuer la musique, la narration ou la vidéo, ou ne pas accentuer, ce qui permet d'avoir un ou l'autre plus fort. Donc souvent, ce qu'on fait quand on est youtubeur, c'est que on règle de façon à avoir l'audio plus fort que la vidéo, de toute façon on va pas être gêné par le bruit du jeu, sinon on entend que dalle. Et donc on fait accentuer la narration. Bon, la musique dans ce cas-ci, vu que c'est une musique comme on a parlé, donc voilà. On peut aussi ajuster à la musique. Au niveau de l'affichage, très important, les formes d'ondes. Donc de base, la musique est comme ça, et la vidéo pareil. Avec les formes d'ondes, on peut voir le volume et la puissance du son. On peut aussi faire une taille miniature, une aperçu en fond d'écran et un zoom. Donc voilà, ça c'est de base. Au niveau des options, bah, comme tout à l'heure, bon, ça c'est les options vidéo et compagnie. Donc voilà, édition, voilà, compagnie, on a tout. On peut mettre des effets visuels, alors tiens, il y a de la luminosité qu'on peut régler. On peut appliquer à tout, et pas seulement à cette vidéo. Et mettre donc les différents effets que je vais vous montrer. Voilà. Donc voilà, on a différents effets. Bon, là c'est pas pratique pour montrer. Mais en gros, voilà, on a des effets plus ou moins dégueux et d'autres plus ou moins bien. Je vais essayer de vous montrer ça. La musique de Call of Duty qui doit bien vous faire chier quoi. C'est pas trop fixé ici quand même. Ensuite on met des animations, ça aussi c'est très important au niveau des effets. Donc il y a deux types, il y a celui-là et celui-là. Donc on peut faire des panoramas, c'est-à-dire un gros zoom sur un morceau, ce qui permet souvent de montrer quelque chose en plus, c'est-à-dire on coupe la vidéo comme je vais vous montrer après et on met quelque chose en plus de façon à bien zoomer sur un point important. Souvent dans les tutos c'est fait. Et après il y a la façon dont la vidéo va rentrer, donc on a tout ça, ce qui est assez énorme. Alors on a plus ou moins des trucs bien, donc c'est-à-dire les effacements par exemple qui sont souvent assez sympas, les encadrements ça dépend des cas, enfin voilà, je vais vous montrer ça. Donc ça nous fait qu'on rentre comme ça. Ça, on peut le mettre à chaque fois qu'on change de vidéo ou autre. On peut mettre par rapport à un truc un peu sombre comme ça, différentes images qui se superposent, les pixels, enfin voilà. C'est assez complet. C'est assez pratique d'ailleurs. Certains sont plus sympas que d'autres, genre celui-là il est beaucoup plus sympa qu'un truc tout simple comme ça. Parce que c'est vraiment complet. Souvent les encadrés sont pas trop dégueux. Les pixelisés, personnellement, je suis pas fan. On a ça qui est très bien, c'est les pages tournées et compagnie, qui sont très beaux, qu'on retrouve à chaque fois dans les différentes. Comment on peut dire ça? Généralement, on retrouve dans différents logiciels de montage, différents effets, on retrouve ça. Et c'est vrai que c'est assez sympa, c'est plus sympa que juste une image qui bouge, ou que un gros truc comme ça, quoi. Même si les effacements progressifs c'est toujours sympa. Après bon, on a des trucs un peu dégueux comme ça. Et voilà. Donc on peut choisir de les appliquer à tous. Donc je vais remonter un peu. Ou pas de les mettre, donc c'est tout simple. Vous mettez, donc comme on peut voir, celui-là va changer. Si après je vais faire appliquer à tout, mais à chaque fois que je vais changer, ils vont tous en avoir. Ensuite, on peut voir donc qu'on peut couper la. On peut couper tout ça avec simplement l'outil fractionner dans l'option vidéo. Fractionner qui vont vous permettre donc de fractionner et de couper la vidéo en plusieurs morceaux. Vous avez aussi découper qui vous permettre donc vous choisissez un point, vous choisissez un autre point.
Et tout ça va être supprimé. Vous pouvez donc définir un point de début, ce qui fait que tout ce qui est avant va arrêter. Et à l'inverse, un point de fin qui va vous enlever tout ce qui est après. Il y a des options de stabilisation de la vidéo par rapport au son à la caméra. Bon, c'est pas forcément utile. Chose utile, par exemple, c'est au niveau des images, la durée de l'image, très important. Parce que de base, c'est à 7 secondes. Et comment dire, 7 secondes d'une seule image, c'est souvent un peu chiant. Donc voilà. Là, on peut régler la vitesse, donc ça va jusqu'à 64, mais bien sûr, on peut mettre, si on veut, on va monter à 364, même si, ah non, on peut pas, apparemment, on pouvait, bizarre. À 64, c'est un petit peu rapide, disons. Ensuite, on peut, bon, suivant la vidéo, on peut mettre un fond d'écran et régler, bien sûr, le volume. Donc voilà, on va maintenant passer. Et non PC à l'enregistrement et compagnie. Donc on se met en accueil parce que comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut enregistrer directement depuis ici. Vous avez donc deux types, nouveau projet ou un projet, ça c'est la base. Soit vous enregistrez le projet, attention, ça n'enregistre pas une vidéo, mais le projet tel quel. Et si vous déplacez votre projet sur un autre PC ou que vous supprimez les éléments du montage. Étant donné que Movie Maker, comme tous les logiciels de montage, ne garde pas en mémoire les vidéos, mais juste leur emplacement et la manière d'y arriver, donc le chemin, vous allez juste avoir des croix et des vidéos mots qui ne marcheront pas. Donc si vous voulez enregistrer ou faire publier le film, donc c'est-à-dire partager, ou enregistrer le film. Alors attention, comme on peut le voir, il y en a beaucoup. Donc en gros, vous avez par rapport au site web. Audio uniquement, paramètres personnalisés, c'est vous qui le faites, je vous montre ça juste après. Par rapport aux tablettes, par rapport au portable, et enfin, donc vous avez recommandé, je ne vous recommande pas justement d'utiliser. Vous avez pour courrier électronique qui sert à rien. Et après, sur ordinateur. Alors sur ordinateur, c'est la base, c'est ce qu'on utilise généralement, c'est tout simplement une vidéo. Mais en 480p, attention. C'est important de le préciser que si vous voulez du HD, c'est-à-dire une vidéo deux fois plus grosse par contre, il vous faut faire le petit dessin 1080p, ce qui est très important, et qui vous permettra donc d'avoir la vidéo en 1080p, ce qui la met en HD. Et sinon, ici, vous allez pouvoir mettre le paramètre comme vous voulez, un nom, la largeur, donc par exemple, ça c'est un peu grand, voilà, 1920 sur 1080, voilà, ça c'est le HD. Le début c'est que je choisissais, fréquence d'image, donc voilà. Par exemple 60, on peut mettre. Voilà, on peut mettre le format audio. Donc plus c'est grand, généralement mieux c'est. Après ça dépend. Le 48 est très moins bien que le 48. Donc voilà. Et après on enregistre. Donc voilà. Non. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Qui vous aura montré qu'on peut devenir youtubeur et faire des vidéos même avec un logiciel de montage tout simple comme Movie Maker, qui a quand même pas mal d'atouts. Franchement, pour des vidéos simples du style je mets une intro, je mets une vidéo, je mets ma voix par-dessus et deux trois effets, c'est largement suffisant. Ah, parce que à part pour des montages ou des vidéos où on rajoute des effets assez compliqués par-dessus, généralement c'est juste on met une intro, une vidéo, le son. 2-3 effets par-ci par-là si besoin, mais c'est tout. Donc il convient largement, surtout si vous commencez sur YouTube. Pas besoin d'acheter ou certains de craquer celui de montage. Et vous, c'est rien qu'avec ce logiciel, c'est très bien et très pratique. Donc voilà, je vous dis à tous à la prochaine, espérant que ce tuto vous aura été utile. Ciao!